Pas réellement de mots pour décrire l'aventure que l'on va vivre. Si tu as la power plant, un wipe quasi parfait va se dérouler pour nous, avec une intensité incroyable. En dessous de la power, il y a du drame. Qui lui va me donner son bois en dessous? Matt, can you share some stone? Ah! 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 That's fucked up, man. Ok, parfait. Tout ce qu'il me faut. Hello, bro. Good luck on wipe. Ok, nice, good luck. Man. Good luck, good luck. Good luck, good luck. Bro, I... T'as de la bière pour faire des... Tiens. Bien, faut qu'on tape un peu de tonneau ici. Il vient de s'ajouter. Oui, tu... Ok, tranquille, tranquille. T'as une lance, t'as un arc Moi, oui. Ok, bon, on est bien. J'ai un arc. Et j'ai du tissu pour vous, si vous voulez. Mettez-vous à 100 HP, c'est le plus important de toute façon. Exactement. Nous sommes déjà 3 regroupés pour arriver en premier sur notre pause. On ne doit surtout pas mourir. On est sûrement les plus avancés pour obtenir la pause de notre base, qui se situe à la PP. Et si on veut être les premiers sur place, on ne doit plus perdre de temps. J'en ai très peu, mais... Bah je t'aiderai. Ah, je prends la rage. Ah, il est monté. Hit. Prends ton temps, Ida, t'inquiète. Ah, j'ai die. Tu peux le défoncer, hein, t'as la hauteur. Moi je peux plus. Mort. J'ai 12 HP. 300 tissus là. On va recycler un de deux, il a la carte verte et tout. Et on se casse direct. Allez go. Piwi, fais les minerais, le max de minerais que tu peux. Mais surtout, t'as pas beaucoup, hein, Piwi. T'as vraiment pas beaucoup. Hein. Tape petit à petit, dès que tu peux, tu rentres. Hein. Vraiment. Ok. Là, je vais mettre un maximum de beds. Hop. Notre position était donc idéale. Quelques voisins qui nous contesteront dans les différentes actions que nous ferons, mais nous sommes très bien. Et l'objectif actuel est de rusher le plus rapidement possible à T3 afin d'avoir les explosifs et de pouvoir raid nos voisins avant qu'ils ne progressent. Je vais mettre grand compo parce que tu sais, je fais la boucle juste à côté là. C'est N6 et tout ça là. Ah, je me fais flèche au-dessus du. Il y a une SMB, mais normalement elle va péter. Normalement il n'y a pas de balles. Headshot. Il a niqué ses balles, hein, je crois. Ah non, il a pas niqué ses balles, j'ai rien dit. Il est rentré dedans, j'ai un DB, go. J'ai headshot, il doit être ultra. Ah oui, il recycle. Il est mort. 400 et quelques scraps, hein. Let's go. Faut qu'on rentre, gros. Oh, t'es juste en face de moi, parfait. Bien joué, Jeff. Je l'ai poursuivi, il est juste là, quelque part, mais il s'enfuit. Je suis mauvais à l'arc, hein, vraiment. Oh oui, dans tous les cas, oui. Il est tué un sur les deux. Mais c'est l'autre qui a tout. C'est l'autre qui a tout récup, ouais.
Il y en a un qui a tout récupéré, il est passé. Ah, il est là-bas, regarde. Ah, tu peux le couper. En West, les gars, il a récupéré tout le recycleur. Il est actuellement en V4. Il va passer U4. Il passe U4. Oh, si vous descendez vers nous, vous pouvez le couper. Attendez, je vais banquer, j'ai mes lignes de. Bah, même si t'es full, Zabda. Piwi, si tu farmes du bois ou quoi, sortez, il est juste au-dessus de nous là. Au moins, on verra où est leur base parce que. Faut le tuer avant qu'il rentre. Hein. Nice. Son mate, hit. Il est mort. Bien joué, il est mort. Il y a son mec qui va essayer tout. Voilà, les gars, bien joué. Oh. Il a 200 scrap et tout ça. La smart, les gars, faut que quelqu'un la prenne. Je la prends et je vais y aller. Et ouais, faut que tu te mettes au silo et tu vas voir, ça va être n'importe quoi le nombre de caisses mitard. T'as vu, ils vont vers là-bas, à mon avis, il doit y avoir une base là-bas. Mais il y a une base là, non? Il y a une base là-dessus. Ouais, c'est ça, il y a une base. Ouais, y a là, c'est une 2x2. Ok, bah on va la taper. Hein. Dès qu'on peut, on la tape. Faut rajouter des box parce que moi là, je ramène beaucoup. Ah, je peux pas poser quoi. Ah, ouais, il a vraiment posé, il s'en bat les couilles. Bah oui, mais vraiment comme ça. Ah ouais, t'aurais quand même. Je voudrais quand même faire un effort. Hein. Je n'ai pas fait d'effort. Je suis deux. Vas-y. J'ai même des loups de ma pierre par terre pour toi. Non, mais c'était la vie, c'est qu'on a récupéré aussi. C'est cool. On commençait vraiment à être de plus en plus productif et vous allez voir l'effet positif que ça va avoir sur notre cohésion qui va sans cesse s'améliorer. La base progressait très rapidement et notre premier raid se rapprochait petit à petit. Dans les deux silos? Ouais, j'ai looté les deux. Il y en a même un. J'ai même avec Inazma, tu prends de la rade. Je mets deux coffres en haut. Moi j'ai lance-roquette gros. T'inquiète. Il monte. Il a un pipe. Il est mort. Il y a pas mal de trucs hein. Si tu veux looter son pipe et tout et son stuff, je vais aller recycler le temps. Bon, une fois la power plant bien lootée, je décide de réparer la caisse que JF avait récupérée dans une caisse pour tenter de prendre de l'avance. Nous sommes pour le moment le clan le plus avancé du secteur, et cette avance va pouvoir être optimisée avec cette sortie bien groupée. Il avait un piton, je sais pas si quelqu'un le veut. Vous avez tous une arme, je crois, normalement. Voilà, on a tout fait. Là, on a moyen de venir en backfight et se mettre extrêmement bien. MP5 morte. Vous me couvrez, je vais looter, on se casse. Restez un peu en arrière. Ouais, vas-y, je prends. Gardez la quarry, ouais. Ok, ils ont énormément. Venez looter, les gars. Je suis pas le pire, hein. Ouais, non, mais on va rester groupés. Vas-y, venez vous deux lutter. Vas-y. Faites des droites gauche. Lutter, j'ai MP5, j'ai tout, je vous donnerai à la base. Rapide, si c'est de la merde, on se casse. Faut se casser dans les 30 secondes. Hein. Comment? C'est bon, Piwi, allez go. Un double shot, un mec Tommy mort, gros. J'arrive. Ils sont plusieurs. Je crois pas. Bro, I just tried to get start, oh, man. Please. Okay, il est pas du tout Tommy, my bad. Ah, il est SMG. Je pensais qu'il était pas. Je te laisse. Ça, SMG. Avec cette bonne lancée, l'entame du wipe était parfaite et notre premier raid allait avoir lieu. Nous avions observé un de nos voisins les plus avancés et les raids pourraient nous faire obtenir l'entière domination de la zone. Un raid risqué pour un first raid, mais on doit le tenter. Du coup, à nous de jouer. Il est mort. Vous avez tous un bed ici, les gars? Ouais. Y'a un sur le toit. Naked. Il est mort. Puis oui, t'as un bed, hein. Ils prennent du CD, là, hein. C'est bien. Sticks aussi? Ouais. J'ai du bois. Vas-y. Open, ouais, n'hésitez pas à rentrer dedans. Je te mets les échelles. Je pète tout droit. Hein. Rentrez pas. Hein. Je suis sur toi, moi. Je roquette. Attends. Oui, il faut garder. Tu gardes la ligne du toit. Ouais. Fais gaffe, il y a une porte derrière toi. Hello, non. Sticks, il faut que tu montes sur le toit, frérot. Ouais. Tout est open. Attendez. C'est bon. Non. Roquette pas, s'il te plaît. Sticks, ça va ouvrir. Hein. Prépare-toi. Hein.
Ouais. Et je vois 4 à vous. Attends, faut que je prenne l'état juste. Ça ouvre, ça ouvre. Pétez ça, s'il vous plaît. Tout est open. C'est pas grave, pète la porte de garage, pète la porte de garage en face. On est tout open, gros. Si c'est la merde, tu tiens le top et je descendrai. Ok. Ouais, ouais, t'inquiète. Ok, dernière. Derrière vous, les gars, ça va. Regarde, Manuel. Oh putain, je vais dans le camp. Vas-y, je suis avec toi, Rav. Tout en bas, il monte en haut, attention. Attends, je vais roquette et ça va roquette les bêtes. Vas-y, je te laisse continuer une roquette, reste avec lui. Là, y'en a un qui est au top ou pas? Ouais, moi. Ouais, y'a. Il où le mec qui est mort? T'es mort par où de Piwi? La garage, genre. Non, il est mort par Alex, c'était Piwi. Ils ont plus de belles effets. Faites attention, il y a des shotgun trap et tout. Hein. Dis oui, si tu veux ton arme, viens au top, tire pas ça au top. Si tu peux. Attends, il faut péter, hein, y'a pas tout ici, gros, y'a rien. Hein. À moins si, que vous avez péter. Au-dessus, y'a le soufre et tout. Hein. Ah, c'est open, hein? Ah oui, ok. Merci. Il est mort. T'as relooté ton stuff ou pas? Non, il a pris le stuff. Ah, mais là ça pue là. On perd. MP5 5 hits au top, peut-être wounded. Les hélicos sont où? Dans le campement. Ah ouais, mais là. Vas-y, Manu, là, prends l'hélico, mais Zabda, prends quelqu'un avec toi. Asmat headshot hit au top. Bon, j'ai 290. Tu veux qu'on se loot Raven? Bah viens, je suis là. On va looter à deux. Quelqu'un loot. Ouais, j'avoue. Je me fous. Y'a full métal ici, mais faut péter ce putain de truc. Tire, s'il te plaît, tirez tous ici là. Porte de garage qui s'ouvre, attention. Au pire, Raven, si tu te barres, tu vas me filer des 556 ou m'en ramener. Ouais, mais là, je regarde la quoi. Là, y'a rien à loot. Tu veux que je me foule avec toi? On a pas tout, hein. C'est en haut. Des voisins pas aussi gras qu'on ne le pensait, mais rappelez-vous bien de cette base, car nous aurons affaire à eux un peu plus tard dans la soirée. Un premier raid pas si rentable que ça, mais vous verrez que tout va aller crescendo. Et une visite sur nos seconds voisins va nous donner pas mal de détails sur quel type de joueurs nous aurons affaire. Ça va, je suis à 30 HP. Zabda. J'ai remis du soufre à Zabda. Il est là, Zabda. Oh, ils m'ont roquette. Ils en ont eu marre. Je ne le savais pas encore, mais cette team allait être nos ennemis numéro 1 durant ce wipe, et ça d'ici très peu de temps. Habitant dans la neige, le souffle n'était vraiment pas un problème, et notre prochain raid allait être effectué à peine une heure après notre first raid. Nous sommes dans une très bonne lancée, et pour notre confiance, on ne doit surtout pas le manquer. Et pour le coup, on va devoir faire face à de sacrés rats. Fais gaffe, la porte au-dessus. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je garde la porte en face. Je vais passer. Vas-y, on lui roquette, non? Non. Ah oui, vas-y. Y'a pas de porte en plus. En plein milieu là, non? Qu'est-ce que tu présentes si jamais des garages d'or qui s'ouvrent en vrai de vrai? Tu dois pouvoir toi, non? Vous êtes là. Et je mets la last. J'y vais direct. Il est passé à droite, vas-y continue. Il est en haut, dessus. Attention. Je l'ai doublé. Attends, requêtez pas s'il vous plaît. Roquette en dessous d'où était Raven? Non? Attends. La porte il a tout fermé, Vas-y, roquettez les gars, roquettez. Oh, yeah, you're making the biggest mistake ever. We don't have anything. Vas-y, let's back the loot, ouais. Il est à gauche. À droite aussi, il y a des trucs en fait, c'est ça le problème. Big Hiff, why are you doing this, man? What's the point?
On a la T3. We're friendly on this, man. We're friendly on this. Ouais, ça va être fou. Oh ouais, ils ont masse compo en vrai. Hein. Ouais, après, faut crafter des balises pas là-bas sinon. We're friendly. Hey, moi, Biggie. Je reste là, let's moi, defense, man. What the fuck? It's on. Let's defense. No, we can't. We don't have any guns. We have four. We have died so many times. We don't have guns. We are four. We don't have guns. We are four. We have a pump. We don't have any guns, man. We have a pump shotgun, a python, and a sword. Il est mort. En vrai, j'ai 16 et 70 balistons, ça te suffit pas pour une porte de garage? Puis oui, c'est à droite ou à gauche? Quand tu rentres. Mais il y a deux portes encore. Mais c'est laquelle? C'est laquelle en priorité? À droite, c'est des trucs. Droite, okay, on a à gauche. Les gars, il y a une autre porte. Il y a tout le souffle, il y a tout le souffle des loups. Il pète, les gars. Le fac à mort. Là, il me roquette juste moi. Personne a des ouf. J'en ai 6. J'en ai 4. Ici, y'a des trucs là, y'a des trucs. Ok, il y a du métal, y'a du métal. Tiens le métal. Je suis une barre. C'est le scrapillé qui pète. Le scrapillé est déjà pété. Porte en craft. Porte code lock. J'ai un accès ici, tu m'as dit, Manuela. Il y a des trucs, des loot aussi. Mais il faut un... On peut crafter les balises. Auto-tourette. Tiens. Tiens, Ida. Oh mec, c'est blindax, hein. Y'a des coffres ou pas que je puisse poser? Ouais, en bas là. Donc c'était en l'ordre. Mec, ok, un fro les gars, juste pour rentrer 330 derrière le caillou, vous attendez. Bouge pas, hein. Quand c'est bon, dehors. On va attendre le temps qu'il faut, hein, de toute façon, j'en ai rien avant les. Décale. Ça, je voyais quoi. Y'a de l'HQ ou pas là-bas? Y'a une table de repas et de l'HQ ou pas du tout? Non. Ah, ils ont pas. Il reste une porte à péter, Rav. On peut pas s'en porter une table de repas, les loulous. Oh, allez, please. Oh, il y a le souffle encore. Allez, stop. Non, un inventaire de souffle, les gars, Les compos au top, Au top, sérieux? 60 pipe. Ah, yes. On a chopé deux coffres de souffle, les gars. Bien joué. Il est rentable, les raids. Et même, on a encore deux lignes du souffle plus sur moi de la GP. De toute façon, ça se voyait, hein, par rapport à la vente d'une machine, honnêtement. Tiens, d'ailleurs, toi, Zabda, qui a les... Let's go. Toi Zabda qui a les murs en pierre, tu veux pas en faire là, il est stacké? Bah non, on... Il y a des pompes pour tes infiltrations, Raven. Ben les gars, là ce qu'on va faire c'est simple, hein. Puis oui, vient avec le mini. On va faire les transferts, hein. Bon, et eh bien on peut dire qu'on s'en sort parfaitement bien. Deux raids réalisés et deux raids remportés, notre lancée ne faisait que commencer. Nous étions 6 et pour la cohésion il n'y a rien de mieux et notre enchaînement va être parfait. Une fois les transferts effectués, un timing ultra intéressant va avoir lieu pour nous. Un scrapelli qui s'apprêtait à raid va crash à quelques mètres de chez nous. L'opportunité de se faire des roquettes très facilement. Combien ils sont, mais moi j'ai 28 HP à l'atomie, tu crois que j'ai peur de 15 personnes? Yo, tu peux les bim, toi. Mais après, toi t'as un Wallach. Un quoi? Hein? Non, bah. Ah, je les entends tirer. MP5? Oh, oui. In the situation? Ah, ouais, je vois les flammes du scrap. Bah, ils sont tout autour. Un full dead? Nickel, ça. Y'a un mini qui va. Mec, y'a tellement de corps. Mais oui! Mini va se poser vers le scrap. DGF, on y va. Push top lance roquette, ils vont raid. Push top lance roquette, les gars, ils se cassent. Ah oui, il bug vers moi. LR, c'est vous? Non, c'est pas lui. Il est sur moi, le mec qui bug lance roquette. Les gars, il faut tous venir, à mon avis, ils sont full. Ouais, c'est sûr, ils étaient partis raid. Hein. J'ai 13 balles, ouais. Le sac mort, là, le mec qui s'est relooté. C'est la K, c'est vous la K? Non, c'est lance-roquette, ça. On arrive dans le bac avec GF, hein. Hélico, c'est qui? C'est pas nouveau. Ils viennent de nous piquer un hélico, les gars. Ouais. Mais hélico? Elle est à la base, quasiment. Je la loot? Ouais, vas-y. Je suis à la base, les gars. Vraiment. Où je suis, les gars. Je me fais un V5, quand même. La K est morte. La MP5 elle est azimut. Ah oui, sur le toit d'une base, la MP5.
Mais qui t'a kill, je l'ai kill. Il est mort sur le rocher, ouais. Je vais essayer d'y aller vite. Il y a encore... Non, mais il y a encore deux gars. Un full stuff AK lance-roquette encore. Mec, j'en ai tué un des mecs. J'y vais, t'inquiète, je vais te donner des trucs. Tiens. Mec, ce rocher, t'as loot. C'est là quoi? Attends, je suis mort. Il est mort. Faut des échelles, non? J'ai des échelles, j'en ai deux. Si tu montes direct, il y a moyen d'avoir son AK. Un mort. J'arrive. Une balle, AK. C'est des basiques, hein. C'est des basiques. Non, c'est des basiques. T'as des 5 gigos ou quoi? Non. T'as les drop 2. Une balle, tu as de mort. J'ai trouvé qu'une seule échelle, les gars. Je ramène une seule échelle. C'est moi. Il a des 5 pour ton goob ou pas? Ouais, moi j'ai. Un qui regarde la porte, les gars, d'entrée, s'il vous plaît. Et le tap aussi. C'est open, micro. Oh, une ligne de roquette. Oh, wesh. Oh, les combos et tout, gros. C'est le jackpot de la D, gros. Mais vas-y, Oh, vite. Refermez, je me casse avec la ligne de roquette, refermez. 4 hits. Oh, tu joues, c'est vous? Tu joues? Il est mort au-dessus. Ah non, c'était un allié, le mec au-dessus. Gardez la ligne de la base. Voilà, c'est j'y retourne direct, s'il te plaît. Tiens, je te donne une AK. Comme ça, tu trouves cette AK. Une azmat morte. Je m'occupe de l'intérieur de la base, pétez les bêtes. Il y en a encore 2-3. AK en main, AK en main. Il y a deux azmat mortes là-haut, là. Trois fois encore, Raven. Il va buter sur la base. Autour de la base, Raven. J'ai 500, j'ai 30 HP. Il est mort. Le jeu. C'est moi qui tire. Oui, il y a quelqu'un qui essaie de relooter là en face de nous. Nous étions à H+4 depuis le début du wipe et pour le moment, un enchaînement parfait pour nous. Sûrement la base la plus avancée du serveur, et nous sommes qu'au début des hostilités. Notre base était quasi terminée, et après avoir fait une petite post-craft, l'hélico de combat va spawn à quelques mètres de notre base. Le moment pour nous de choper une potentielle M249. Ah, Laka. Il est mort, Laka. Montez sur toi, les gars, je monte sur toi avec le coeur, je fais tomber l'hélico. L'hélico, il va me buter. Ah, je suis mort. Calme. Je vais tomber les lits, hein. Je tombe aussi. Il va roquette, fais gaffe. Puis oui. Ouais. Oh, c'est juste si on peut monter une flashlight et des balles et des. Je le défonce, mais je mets pas trop assez de hauteur en fait, mais je mets pas mal de balles. Moi aussi, mais faut monter des balles. Ouais, moi je suis dehors en fait. Ouais, moi aussi. Je l'ai mis en feu. Je l'ai down. T'as des balles là? Oui, j'ai plus pour moi là. Il est bien tombé en vrai. Je sens une M2 les gars dedans. Non, moi je suis juste des explosifs en vrai. Et JF, j'ai ton corps, hein. Je t'attends. Je spawn à la base, puis lui, il rebâclé. Ils sont pieds. Au pied de notre base. Et je loot, couvrez les gars, couvrez, je loot et je me casse à la base. Ils sont tellement, je suis mort. Sérieux? Ils sont mal. Je suis wounded. Ils pushent mon corps. T'as pas de suite à rien? Oh, faut que je back moi, je me casse avec ce que j'ai. Il reste une caisse.
ça va être chaud pour moi là. Il reste une caisse, bah j'espère que c'est de la merde dedans. Essaye de goûter la caisse en vrai. Et tu, au moins tu au moins on sait si c'est grave ou quoi. Ah, faut que je te fasse un mort. Bien joué, ok. Je me suis relevé, ouais. Je suis derrière. Un autre Foustuff mort. Je back, hein, j'ai une back, les gars. Yes, yes, yes. Il est... L87 dans la dernière caisse, j'ai toutes les caisses. Y'a un Gaka autour de notre compound, faites gaffe. Fais gaffe, Zabda. Va relouer ton corps, mais je peux pas. J'ai 4 seringues, j'ai 4 seringues. Y'en a un qui était devant moi il y a 2 secondes. Va dans la map, les gars. Désolé. Pas grave, pas grave. Fais gaffe, Foustuff Aga autour du compound. Ah non. Mort, J'ai tué le mec aussi en 170, les gars. S'il a descendu, je dis pas non. Hein. Oh, mais ta mère. Le gars M39, il faut aller le choper. M39 est l'air. Hit, le mec M39. Parfait, l'hélico est safe. Cependant, on vient de pas mal se faire remarquer et un raid sur notre base ne devrait pas tarder. Nous étions à environ 6 heures depuis le début du wipe et la première base que nous avions raid s'était bien refait mais était déconnectée. On connaissait leur base, cependant pas de mouvement. Les portes étaient ouvertes, ce qui nous semblait illogique vu l'ensemble des bacs posés au centre de leur base. Mais leur erreur principale vont être leur coffre quasi vide, et c'est ce qui va nous mettre le doute sur un potentiel transfert de stuff. Et vous allez voir qu'on a vu juste. Ah bah sinon... Porte de garage en vrai. C'est possible qu'il y ait des trucs. Vas-y un PUI hein. Vas-y, mets la dernière. C'est où qui marchait dans l'eau là? Ah les gars. Oh, c'est moi. Ah oui, c'est là. Ouais, mais bunker H, bah tant pis, on va essayer de retête hein. Bunker H que dans la truc, gros. Ah ouais? C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça, frère. C'est des malades. C'est dehors, on rentre un T. Pour grief, ah ouais, les gars. Je dois rester au top de la base. Là, je pète la TC. Mec, c'est incroyable le loot. Pète la TC, mais là-bas. Une part. Tu sais qu'il est mort. Dès que tu peux. Faut quoi là? Il est mort et il y en a 3. Je cherche du bois. Ah, je fais une TC, j'en fais. Vas-y, je sors. Occupe-toi de grief, gros. Tiens, je t'ai mis de la pierre, du métal. Vas-y. Tu. Faut que vous puissiez vous poser des walls en vrai. Ah mais attends, y'a pas encore TC. Non, je suis en train. Et hey, c'est tchao, posé. MP5 essaie de nous contourner. Y'a un stuff MP5 en face de toi qui essaie de nous contourner. Fais un feu de camp, s'il te plaît, un AT, les abdas, dès que tu peux. Parce que je suis en moins 17, je vois rien en fait. Y'a beaucoup de choses du coup. Ouais, y'a déjà une ligne de roquette, un coffre de soufre et tout. Il est mort en bas. Headshot au top. Bon, on peut le dire, on venait de faire un réel braquage. Une première journée avec 4 raids réalisés et remportés. On peut dire que ce start est parfait. La base était terminée et je vais en profiter pour finaliser les derniers petits détails puisqu'à tout moment, on subit un raid off. On sait que l'on a actuellement la cible à abattre pour l'ensemble des clans du secteur et on risque d'en payer les conséquences durant la nuit. Le lendemain, après quelques heures à dormir, ce qui devait arriver arriva, à environ 6 heures du matin, une team va décider de nos raids, et nous connaissions très bien leur pseudo. Jeff, qui scoot généralement très tôt, va avoir le temps de défendre la base comme il pouvait, mais cette fameuse team avait déjà accès à une partie du loot. Mais heureusement, pas mal d'explosifs étaient safe dans les étages supérieurs. Et quand je vous disais qu'il fallait retenir une des premières teams que j'ai analysées, c'est tout simplement que c'est eux qui nous ont raid off. Nos stuff et roquettes étaient bien entendu safe, et c'est le moment pour nous de prendre notre revanche. Sauf que contrairement à eux, nous serons en on, et on ne va rien lâcher. T'es mort ? En bas, hein. Il va me roquette, lui. Moi aussi. Il va me roquette à 200%. J'ai des balles pour toi, j'ai tout. Je pense que j'ai tué un mec encore, deux mecs. Les gars, il faut venir hein. Dépêche.
On bat d'ici. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ah, ça a pas pris de dégâts ici. Ok, continue, mais colle-toi pas la porte en tôle, s'il te plaît. Je vais juste péter ici, c'est pas grave. Je suis obligé. Sur note, oublie pas, faut pas que ça nous roquette du top, hein, les gars. Je suis. Faites attention au-dessus de toi, comment. Fixe, ouais, je sais. Ouais. Fais gaffe. Il m'a pas tué, hein, il m'a PVP Rocket, il m'a pas tué. Gros, en fait, ils sont en dessous de Stix, tu peux. T'as peut-être une visu, gros, hein, mais ils vont nous défoncer là. Hein. Je peux pas descendre. Hein. Et là, on peut Rocket ici, je peux Rocket ici, au calme. Reste caché, GF. Ça a ouvert derrière toi, Raven. Rocket, il m'a tué. T'es mort? Non. Ferme, je pense qu'on va commencer à y aller. C'est pas grave. T'as besoin de seringues, des trucs? Le mec est en bas. Mais... non. C'est moi qui prend son stuff, c'est moi. Vas-y. Bravo. Il est mort en haut encore. GG. Il doit être en CD là. C'est nice comme ça, il y a 20 secondes, j'arrive. Les deux sont morts. T'as pas d'échelle? J'ai 100 balles, je peux pas. DHP. Ouais, 3 lignes de soufre ici. Oh oui, c'est blindé. Ok, on peut grief. Normalement, c'est pas une multi-TC. Oh les copains! Y'a des gars K, je suis mort. Vite. Gardez les lignes, les gars. Je vais refermer. Le mini? Sur le toit, je crois. C'est bon, on est safe ici déjà. Il a tous les lots dessus. Y'a du métal à loot, les gars, ici. 666 de scrap. Ok, bah faut péter leur bed et c'est bon. Malgré un raid off subi dans la nuit, notre revanche aura été effectuée instantanément. Nos compos directement transférés, et cette team qui aura tenté malgré tout de se défendre, finit par céder. Pour le coup, on a eu pas mal de chance, mais on est toujours en vie. Pas mal d'objectifs dans Swipe, puisque nous sommes seulement au deuxième jour de cette aventure. Notre confiance était toujours au top, avec l'ensemble des raids remportés. Et pour continuer dans notre lancée, le but allait être d'enchaîner les Ulrich pour tenter de récupérer un maximum d'MLRS et d'explosifs pour un futur gros raid. Et on peut dire qu'on n'a vraiment pas eu la tâche facile. Oh, deux morts! Deux morts finis, po! Vas-y. Monsieur, je vais sur le mec, prends ton AK, frère! Là, tu vois! Un mort au-dessus? C4! C4! C4 les cons! Encore un mort! Je suis mort à la cheminée! Y'en a un! Oh putain, C4! Je suis tout seul! M'a mis une roquette, frère! Oh y'a mini sur H! Détruit! Oui, ils sont dans l'eau! Non. J'ai pas de balle! Un HP! J'ai pas de balle! Il a un HP le dernier, et l'autre il est dead! Il est mort! GG, il est mort ou pas? Ouais, t'as moins de me dépôt, GF? Puis oui, non, c'est simple! Puis oui! Loot le stuff de Zabda et casse-toi avec tout! Tout sur la moitié! Oh! Mec, elle est cheatée cette caisse! Oh mec! Ils sont où? Au milieu, je t'ai vu. Je suis dead. Je descends. Je suis mort, je sais pas comment je l'ai tué. J'ai un HP. Non, il est mort, pardon. Le bateau revient. Non, c'est ça. Non, c'est qu'il tourne. Vous voyez pas là, j'ai pas de lampe moi. Il se barre à ta gauche. Bien joué, frère. Très bien joué.
habitant certes près de la power plant, nous étions également pas très loin du lunch qui pourrait nous offrir une M249. Le problème, c'est l'endroit le plus difficile de la map. Environ 5 lances sur le contest H24, et pour remporter un fight sur place, une cohésion et communication irréprochables devront avoir lieu. On sait que l'on est sur une très bonne série de victoires, donc on ne doit surtout pas lâcher l'affaire. Et au niveau des fights, je vais devoir être très solide. Un full dead qui a tué Zabda. Wounded, pardon. Full blanc, il était. Ouais, ouais, c'est lui. C'est lui. Semi-morte. Il a descendu à droite. Ah non, il Sur le top, sur le top aussi. Oh, j'ai freeze. Il est mort sur le top. Il est mort. En blanc. Il a une balle. Hit. Il y en a où, ouais, juste en dessous de toi, Léonard Pega. Ah, il est toi. Hard pick ping, Hugo. Il y a des mecs en face aussi là. Ouais, il y a un mec juste en dessous de toi aussi là. En plus, pas beaucoup de sang alors. Ah, ils sont reloot en face. Ils sont deux. Hit. Il t'a un autre, ils viennent le mec lance roquette mort, le mec lance roquette mort. Y'a un mec qui loot, lance roquette, 2 hits, 3 hits. Il est remort. Il y a la LR, il me dépauvre. Hein. Je vais essayer de roquette. Ah, y'en a encore un. J'ai plus de soin moi, je sais quand t'as je fais sans soin. Y'a tiens, tu mec qui a la dune. La LR, LR dune, faut pas le piller, frère, il m'a trompé. Tu veux me filer des soins ou pas, Zabda, s'il te plaît, je sais quand t'as je fais sans soin. Même deux, merci. Alors, pipin, on va essayer de les écouler des soins, c'est bien chaud. Tenez, les gars, je vous drop des trucs, je vais descendre, non. Vous vous en sortez ou pas, les gars? Je pense à tout. Oh, ça va. Ah, bah, il m'a instant. Un mort dans le bac, il se fait, je l'ai tué. Ouais, je vais looter, je pense. Je pouvais rien faire. Je fais instant. Oh! Contact! 3 hits, je suis d'accord. Il est hit. J'ai plus de balles. Mort. Mec en bas. Il y a des balles à terre. Il me sol. C'est quoi un P5? Oh, si on se coupe, frère, ils sont sur le coup. Ah, mais. Mort. Un mort, contact. Je suis pas mieux, j'ai 40 HP. J'en ai wounded, hein, je crois, à droite. Mais c'était 2 ou 3. Je peux y aller. Putain, il m'a piqué là, fais gaffe. Je l'ai doué, tu peux garder, tu t'es passé devant, moi j'ai failli tuer. Ouais. On est encore quoi? Y'a plus personne là qui peut venir? J'arrive. Moi je suis en train de venir vers vous. J'ai banqué des roquettes là. Il est mort le mec qui me tire dessus là. C'est le un mort derrière vous. Ok, il y en a 3 là. On est au Cambodge ou quoi là? Il est mort. C'est un P5 lui? Ah c'est moi. Il est mort. Oh putain, je savais, je me doutais qu'il y avait... Encore un turn mort. Tu gardes la ligne, je vais loot vite fait. Un mort. Encore un mort sur le silo. Il y en a un. Alors lui. Par un recycleur, un autre auto. Toi qui me push? Non, c'est pas moi. Un mort. T'as un mort? Fais gaffe, il y a une biche qui loot. anti. Il m'a trip. Ouais, ce que j'ai pris, gros. T'es mort?
Ah ouais, je suis full LED. Je reviens plus. Comment je me casse d'ici? Vous goûtez mon lobar? Ouais. On est prêt. Merci. Yes, n'a pas été loot. Tu veux pas venir en hélico, Zabda, genre juste... Oh non, y'a des mecs. Je décolle, j'arrive. Mais genre, t'inquiète, tu me déposes un peu avant, genre. Genre, juste tu laisses l'hélico, je décolle. 5 hits sur le l'anti-recycleur. Il y a la K2 Zabda que tu peux prendre si tu veux tirer de loin. Comme annoncé, le lunch était une réelle anarchie et on s'en sort comme on peut avec notre objectif principal accompli. Une part de chance et de déplacement nous ont grandement aidés, mais on ne va pas s'en plaindre. Énormément d'armes et de stuff récupérés dans ces fights et l'heure de trouver notre cible de raid allait avoir lieu. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, toujours aucune infiltration avait été effectuée et lors d'une recherche de base, une potentielle infiltration sur un clan espagnol de plus de 25 joueurs va avoir lieu, sauf que mon objectif principal n'était pas du tout celui-ci. Ouais, il était dehors, hein. Il était à la base qui se faisait raid là où t'étais allé tout à l'heure, R4. Ils ont des tourelles sur toi? Mais Jack, c'est leur pick down et tout, frère. Regarde leur base, gros, ils ont une base de tal et nul. Mais les gars, ils ont vraiment une base de merde, hein. Regarde où je suis dit à l'heure. Les mecs, faut y aller. Mec, frère. Ouais, on t'a pas top down, moi, je pense. Si, faut top down. Mais sur les côtés. Attends, mais t'es déjà à l'intérieur, ou? Mais t'es, ouais, t'es en fait, t'es dans la. J'ai tourné en fait tourelle en bas. Mais t'es sérieux? Mais c'est quoi ce jeu? T'as dû les activer pour le counter. Parce qu'ils ont pas de camp. Hola. Si. Silence. Si, que da. Ah, vale, nada, nada. Oh, c'est des espagnols. Como me sales en color rojo y encima. No. No problema. Te hubiese disparado, pero solo tengo una toca, entonces. Sí, no problema. Así te puedo hacer, ya está, no tengo mal. ¡Oh, es de español! ¡Yo soy trofón español! Toma, bastante suerte. ¡Wow! gracias, gracias. ¡Oh, es de español! ¡Le crucé la main loot! ¡Je leur ai parlé, son pays de groupe, c'est mar! Mais c'est leur vrai main loot? Mais oui, moi, c'est leur main loot, frère! Ils ont 200 explos, 240 explos, et je leur ai parlé espagnol! C'est quoi ça? J'ai vu mon accent espagnol, mon frère, il est prof d'espagnol, j'ai vu mon accent, c'est capable! Mais tu veux que Hugo vienne le chercher? Bah ouais, frère, je vais tout prendre, on va se casser, je crois. Hein. Ouais, bah Hugo va le chercher, hein. Tu prends tout et. Ouais. Vas-y, tu me dépôt au passage, hein. Non, mais attends, il me regarde un peu trop mal, gros. Y'a qui creo que tienes una lista de señales, en esto. La pechera, aquí tienes una pechera de señales, pues si la quieres equipar. Tengo un problema. Du gros plouc. Dime. Si sabes que me atacan las torretas, creo, Vas-y, go. Dos segundos. Attends, j'ai pas de story. Minecraft. Mec, je sais pas, il me regarde trop. Je lui dis, j'ai un problème. Mec, il me regarde beaucoup, hein. Bah, j'arrive, moi je le bute et tu te casses, hein. Il y a pas d'âme, hein. Il me tire dessus, descendez. Ils ont pas d'armes, ils ont zéro arme, hein. Il m'a tué. Fais gaffe, fais gaffe. Je suis au sol, j'ai les explos 240. Deux lignes de gunpo. Et je prends le métal et tout. Okay. Checker tous les coffres, hein, y'a masse truc en vrai. Du soufre encore ici. Un coffre de soufre, deux coffres de soufre. J'ai un coffre, ouais. Trois coffres de soufre, y'a trois coffres. Mais les gars, ils vont arriver, j'ai pas d'armes, hein. Ils ont aucun gun. Hein. J'ai une ligne de pipe et tout, faut qu'on se casse maintenant. Y'a un mec devant toi. Vas-y, je monte. Fais gaffe. Non, mais arrêtez d'être con. Please. Allo, oh, les gars. Ravel, lui. Wesh. Bah, looter mon corps, hein, qui se casse. Non, mais les gars, allo. Je l'ai dit, j'étais du stuff. Prenez mon, je suis full inventaire d'exploit de. Non, mais les gars, là, vous faites exprès. On est tous groupés, ils sont tous autour de moi, allo. Ah, mais ils t'ont pas tué d'un coup, en plus, ils ont continué, frère. Ravut, c'est moi, arrête. Mais comment ça, c'est toi, t'es qui?
Mais mec, je suis en train de regarder ton stream, arrête s'il te plaît. Vous êtes où, les gars? Vous êtes mais t'es espagnol? Sérieux, je te promets. C'est des Français, hein, c'est des Français. Peut-être en patinette, mais c'est des Français. Moi, je suis. Moi... Oui, je suis espagnol, mais je suis français. Il y a PDFR dans le mec, c'est déjà fini là, on a déjà tout transféré. Chef, chef. Donne les codes. Bah oui, je sais, mais on, était en train de me parler sur le chat. Moi, je comprenais rien, mais n'importe quoi. GG. Bah attends, mais je suis mort de rire. Mais tu es qui espagnol. Tu sais que ton mec. Tu sais que tes mecs, je les ai ghost. Tu sais que je les ai ghost, j'ai parlé espagnol. Ils ont cru que j'étais avec eux. Mais. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Viens, viens, viens. Wallah, je te tue pas. Viens, on te tue pas. Viens. Ya, ya, oui, oui, oui. Mais attends, mais t'es espagnol, sérieux? Mais oui, mais j'ai reconnu ta voix, je t'ai reconnu, mais je te promets mec. La porte à chute, sinon... Mais viens, on te laisse des trucs, on va te laisser des trucs, je te jure, on va te laisser des trucs. C'est ici, là. Faut péter ça. Attends, mais non, mais non, pas celle-là. Mais attends, mais vous êtes là... Mais qu'est-ce que vous faites ici? Bah mec, je sais pas, on voulait vous raider au départ. Oui, oui. Je descends. Ouvre la porte à chute, je pique tout. Mec, ça fait depuis que le serveur a wipe, j'ai pas dormi, je suis en train de faire la base presque tout seul. Et j'ai tous mes potes qui viennent de se connecter il y a 4 heures et c'est là où ça commence. On a le tier 2, putain, on l'a. J'en ai rien à foutre, vous savez. Arrête, Samda. Non, tiens, tiens, regarde, regarde, on va te laisser, mais tiens. Non. Tiens, du métal. Non, non, non. Non, mais n'importe quoi, cette porte. Merci. Zabda, ça marche pas comme ça, Zabda, sois gentil. Allez, bougez. Non, bougez, non, mais roquette pas, il va nous ouvrir, roquette pas, roquette pas. C'est pas... vas-y. Non, mais viens, viens. La porte HQ, on pourra communiquer. J'allais te donner... Écoute. Ouais. J'allais te donner des bits pour te le dire, mais j'ai ma carte qui marche pas, je comprends pas. Attends. Je te promets. Attends, ça là, pour voir c'est quoi ici. J'ai reconnu ta voix, je me suis dit... Voilà, dis-moi, pas besoin de mettre des roquettes. Non, non, tu le pas, tu le pas, tu le pas. Assume, assume, assume. Et la porte est. Non, non, non. Mais t'as vu, il a fermé la porte. Non, laisse-moi Dice. Non, mais il s'en fout, il s'en fout. Ça se voit, tu vois très bien qu'il s'en bat les couilles. Il fait l'arme des gens à la team. Ah non, il nous l'a ouverte. Hola, amigos. Non, arrête, arrête. Attends, je finis de me servir, moi. Moi, bah, mec, désolé, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais au moins, tu verras. On va dire que t'auras ta team en vidéo. Non, mais ouais, mais n'importe pas, j'ai chier, mec. Mais en fait, j'ai une question, vous, c'est la base Non, on est loin. Nous, on est dans la neige. Vous allez déco, du coup, là neige. W14. Oui, oui, non, mais... non, non, on va reprendre. Non, vas-y, ok. Nous reste demain, la vengeance. Ah, la vengeance. Mais vous êtes combien? Exactement. Vous êtes combien? Vous êtes combien? Bah... Là, connecté, on était à peu près entre 20 et 25, mais... Allez, vas-y, je me casse d'ici, mais on se casse d'ici. 20-25, frère. 20-25, les gars. On vous attend, en tout cas. On vous attend, on vous donne la pause. Ok. En 5. Fais attention qu'on n'ait pas laissé l'espagnol dans le serveur, hein. Si demain, t'as 60 mecs devant la base, avec 500 roquettes... On aime ça, nous, allez. Moi, je dis ça, je dis. Attends, mais elle est où la sortie, ici? Mais je sais, je sais. C'est noté, une annonce de future vengeance que je prends note avec plaisir. Une infiltration totalement imprévue qui finit ultra bien. Et encore une grosse dédicace à toi, t'as une bonne humeur qui fait ultra plaisir. Mais du coup on décide de tout de même rester bien concentré, car comme annoncé, un potentiel raid pourrait arriver à tout moment. Nous sommes toujours dans notre très bonne série, et notre confiance ne faisait que de se développer. Et un raid sur nos derniers voisins les plus proches va avoir lieu. C'est un raid-on qui devrait se dérouler sans trop de soucis, puisque nous habitons à quelques mètres. Une dernière attaque pour se préparer à un potentiel raid défense historique. Oh. Alors là les gars, vous voyez quand on fight comme ça? Wounded. T'es wounded? Ouais, je suis wounded, le gâteau là dans le... Oh, top, 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 gâteau mial. Frère les gars. Oh. Juste là, derrière, en face, juste en face, Beamer. J'ai mis 4 hits, je suis wounded sur top. Faut monter. Go, qui a roulé. Bah, roule les mecs comme ça. Frère, y'a une entrée, je sais pas c'est où. Moi je veux bien descendre, je veux bien. Mais il faudra un autre dans les pick down. Parce que là, ils peuvent monter pick down. Si puis Wimmer, on perd les pick down, on est niqué, gros. Ah, ouais, mais des échelles. L'échelle, c'est qui? Y'en a pas un qui peut descendre pick down avec lui ou pas, les gars? Bah, j'y vais, je reste top, hein, je vais essayer de cover comme je peux. Ah, ils sont en mec, c'est des portes, t'es pas sûr, on passe par les portes? Vas-y, ouais. Non, non, on a pas de bug. Ouais, mais t'inquiète, on passe. Juste préparez-vous à descendre. Quand on le dit. Par contre, il y a deux ouvertures, il y a une. Tu l'entendras là, double porte blindée. Ils ont un arbre dans la base.
Ah, il va monter, Styx. Bah, montez tous. Il y a des tout open. T'as une roquette à lâcher dedans. Il est mort dedans, l'un T. Je roquette. Vas-y. Tu veux des soins? J'en ai trop. Tiens. Ici, j'y vais. Tout est là. TC. Pétez la TC, je mets jamais une au top. J'ai pas de balespo. Je roquette, pas les coups. Gardez-moi, roquette. Qu'un mort. Y'a pas de bed en dessous qui puisse nous enfin. C'est bon, j'ai posé la TC au top. Tu peux venir. Loot la TC ici, comme ça on abandonne ici, y'a rien, non. Il était passé par la porte de B. Non, mais je peux pas aller. Y'en a un qui est descendu. Il est mort. Il y en a quel. Tu veux que je m'occupe de Griff, Ram? Tu pourras pas, il faut aller chercher l'armoire, gros. Ouais, bah je vais la chercher. Bon, après avoir éliminé la totalité de nos voisins sans trop de soucis, aucune défense de notre part n'avait été effectuée. La team espagnole ne nous avait finalement pas raid, et aucune team, malgré les nombreuses attaques faites, n'ont voulu nos raids. Une fin de wipe parfaite pour nous, puisque l'ensemble de nos actions se sont déroulées parfaitement. J'espère sincèrement que cette aventure vous aura fait vibrer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner. C'était Raven. Ciao, ciao.